On passe en mode héros des films. Dernier niveau. Let's go. On continue sans comprendre c'est quoi les passifs des cartes. Achète avec les gemmes vertes, c'est moins cher. Ah putain, j'ai même pas capté ça. Ok. N'empêche qu'avec tout l'équipe des cartes, réussit à annuler le manque de hype que certains pouvaient avoir. C'est vrai. En fait, c'est pas, c'est le kit d'une carte, tu vois. C'est ça le pire. C'est que globalement, ça va, tu vois. Broly, Gogeta, ils étaient forts, mais c'était pas abusé. C'est vraiment juste avec Gohan Beast qu'ils ont tout fait péter. Let's go! Hâte de l'annonce des ZR des 6 ans. Vous voyez quoi du coup comme mécanique pour Vegeta et Goku des 6 ans? C'est vrai que Brice il avait dit un truc intéressant parce que moi je rate pas de dire que ce serait bien que les unités aient de l'estive garantie, tu vois, pendant genre 2 apparitions. Ils te mettent de l'estive garantie pour Migaté pendant 2 apparitions et ils te mettent 90% de réduction de dégâts pour Vegeta pendant 2 apparitions. Et derrière ils se build, tu vois, par esquive ou par attaque reçue. Et ensuite après ils leur mettent des stats assez basiques genre 700 KDF, tu vois, 700-800 K défense, avec de l'esquive pour l'un et de la réduc pour l'autre, tu vois. Tout se pine comme on dit. Perso, je prends un point à bas, j'ai 5 millions de points encore. Ah bah, 5 millions, t'es bien. N'oublie pas de placer Gohan en 2 lors de son target. Placer Gohan en 2 lors du target, oui, j'oublierai pas. J'avais pas ça, la marque. Je savais pas, je suis pas trop légende, du coup, ouais. J'ai appris ça là, en stream. Déjà, Brice, j'ai vu quand tu t'es excité sur Twitter quand t'as vu le. Quand t'as vu le, la carte de, du roi Vegeta. Bah, il est littéralement pété. Ah ouais. Je me suis souvenu quand tu l'avais dit en Vogue là. Je me suis dit, ah oui, bah à ce point en fait. Et, il est fan à ce point. Et du coup, tu l'as fait ou pas? Il t'a laissé le faire? Salut Tom, jeu du Zor, bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, je garde la bête dans la rota, d'accord. Il y a des sphères de ki ici pour Gamma 1, Gamma 2 et Broly qui part en speed ultime. Je m'en désévère. Ah merde, putain, Gamma 1, Gamma 2, ils vont pas pouvoir partir en spé. J'ai un peu des coffres à partir en spé. 17 millions? Bon bah du coup le stand-by de Gamma 1, Gamma 2, on va attendre un peu. Regarde-moi cette rota, sérieux. Regarde-moi cette rota. Ils sont tous plus tanky les uns... Ouais, plus... Peut-être pas... C'est ce que je veux dire. Je veux dire tous plus tanky les uns que les autres, mais en fait non, t'as quand même Gohan qui est loin au-dessus des autres, mais quand même. Mais quand même. Attends, Gohan, il y a combien de liens? 3, je dirais. 3. 3 pas mal. 3 pas mal. Piccolo, let's go. Gohan il donne 3 ki pour tout le monde ou 2 ki? Je crois que c'est 3 ki qui donne Gohan. Hein. Ouais, je crois que c'est 3 ki quand il se fait toucher. Du coup, Piccolo à la fin peut partir en spé ultime. C'est bien ça. Il retarde la sentence et ça laissera le temps à Gamma 1, Gamma 2 de se setup. Putain, n'empêche ki plus 3 pour les alliés, mais c'est abusé en fait. Mais vraiment, c'est abusé. Il a de la garde, il a de la réduc, port de ki, link set de ouf, target au bout de deuxième apparition, condition débile. 1 milliard de catégories. Du crit dans le passif, de l'attaque sub dans le passif. Franchement, c'est des malades. Ils donnent du crit, non mais vraiment c'est des malades. Hein. C'est des malades. Quand tu vois les conditions de transfo du duo Blue Agilité, des millions de téléchargements sortis il y a 3 mois versus l'autre qui doit se faire toucher T1 enfin une fois, tu vois, pour qu'il puisse direct target deuxième apparition, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Ah ouais, là, j'ai l'impression de découvrir. Bah oui, je découvre parce que je l'ai même pas joué. Enfin, tu vois, je joue même pas.
C'est mieux de prendre ça ou ça? Vaut mieux ça, non? En soi, c'est SP garanti, ça. C'est SP garanti. Salut Brice, t'as trompé trompé de YouTube, là. Combien de DS on va voir pour les 9 ans? Je dirais 2000. Tu peux arrêter au bout de 30 millions, tu peux t'arrêter, Luffy. Personne t'en voudra. Je garde le target jusqu'à la fin. On invoque les tickets, après on sera bon, les gars. J'invoque les tickets sur la Jap. Et on sera good, ça fera du contenu de la semaine, en attendant la suite. Il y a quand même 2h51 de stream, hein. La tête du film avec la bête Piccolo, un duo Gamma et Sensen. La team de film, non mais c'est clair. C'est clair. En fait... Tu dis ça, mais il y a aussi Gogeta et Broly, tu vois. Là, c'est vraiment la team Dragon Ball Super, tu vois. Environ 1500 à 1000, je dirais. Entre 1004 et 1005. Ah! Gohan. Je sais pas. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Je crois que je vais target maintenant. Hein. Je pense que je vais target maintenant. J'ai peur de ce qu'il va se manger lui en fait. C'est bon, je l'ai mis en deuxième les gars. J'ai pas dû ramener Broly ici, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour l'émission. J'en ai besoin pour les missions. MT67, tu vas le faire sur la bête. Si c'est sur un des 4 portails, je vais la faire sur... Ouais, je pense que je vais la faire sur Gohan. Je prendrais bien des doublons sur le duo Blue. Et puis sur les portails Carnaval. Non. J'ai tout. Bah, en fait, j'ai tout partout. Mais du coup, sur Gohan, j'ai pas Krillin C18. Je prendrais bien des doublons sur Gohan, bien sûr. Je prendrais bien des doublons sur, Gohan Beast. Donc ouais, si je là maintenant, si je dois invoquer, ce serait sur... Ouais. Combien il prend? Devine, 0. Non, 100 je dirais. 24, ok. On a quoi à faire cette semaine sur la Glo? Luffy, on a précisément rien à faire. Mais attendez. Parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il n'y a rien à faire, mais mardi, il y a un renouvellement des soldes. Donc il devrait avoir un nouveau portail qui sortirait mardi. Et ils peuvent nous faire la surprise d'une célébration exclue, tu vois. Parce qu'il y a vraiment trop rien à faire d'ici le mois de mars. Donc ils peuvent sortir une célébration de derrière les fagots sur une thématique qui veut rien dire, tu vois, mais histoire de nous occuper un peu. C'est possible, ça c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé qu'une célébration soit pas annoncée et qu'elle pop comme ça de nulle part, tu vois. L'excuse d'un abattage, je sais pas. Moi, je suis plutôt d'accord avec Ponchat quand ils m'ont dit que ça serait le retour des unités des millions de téléchargements. Comme on a déjà eu les carnavals, on me dit peut-être les deux Canfest. Oh putain, il est chiant. C'est chiant, ces trucs de blocage, là. Sérieux. Bon, alors du coup, lui, non. On va rester sur ça. Alors déjà, on va faire ça. Gohan. On va te mettre là. Piccolo, j'espère qu'il survit à l'aspect parce que... Là, il a plus la garde. Enfin, bah, en fait, si, il a la garde, mais... Pas compris. On va faire ça. On va faire ça et on donne les sphères de ki... Bleu. Je sais pas si on survit à quelque chose, là. J'ai pas de taunt. Hein. J'ai envie de faire confiance aux valeurs. Ah, il y a de la régène. Point d'exclamation ID, Elysian. Avec target. 27 millions, pas mal.
Je me demande où le ZLR est-ce que global. Une bonne question. Mais c'est le premier semestre qu'ils ont dit de toute façon. Seulement 6 millions. Ça c'est pas bon signe pour les valeurs encore. Il se prend l'aspect, j'ai un peu peur pour Piccolo là. Bon, on est bon. Ils peuvent mettre le Gohan Piccolo de Canfest, non, non. Non, je pense pas. Je pense pas. Bon, ça serait peut-être un truc un peu plus hype. J'espère quand même. Mais je pense pas que ce soit ça. Parce que pourquoi il l'appellerait comme ça spécifiquement, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est pas logique. Bon. Super de Cannes, c'est vraiment... Fais pas le con, ok. Super de Cannes, c'est vraiment un truc spécial, tu vois. Ouais. Ça ne peut être qu'un truc spécial. Je mets Broly ou Gogeta devant. Gogeta a besoin de stack un peu. Hein. Là on va garder Gogeta en rota. Garder Gogeta en rota. Il a plus de garde, il a plus rien. Hein. Bon, la bonne nouvelle c'est que c'est Gohan qui prend aspect. Si c'était Gogeta, on était mort les gars, je crois. J'avais liquide, je décolle aussi ça. Je vois bien un Migaté exclu sur la globale, ouais. Parce que là, on va arriver sur la fin de célébration avec un délire TOP sur le l'anniversaire. La globale, elle, de son côté, qui est dans le délire TOP avec le duo Cyborg. Ouais, donc je me dis, bon. Je vois bien un délire dans ce genre-là, ouais. On peut le faire stack un max. Bah ouais, ouais, défensivement, histoire que ça ressemble à quelque chose, quoi. Bah pour l'instant, Gogeta, avec ses 300k défense, c'est des valeurs de 2021, tu vois. Il va manger combien en auto, déjà? Combien tu manges en auto, Gogeta? Bon, en vrai, là, je crois qu'on est à 800k def, non? Les autos, on est tranquille. Après la date des tickets Super de Gans, voilà jusqu'en novembre donc. Pensez au pétard mouillé vous. Pensez au pétard mouillé sur. Sur le Super de Gans. Bon. Il est en... Oh l'enflure, oh l'enflure. Bon, on n'a pas le choix que de taunt là. Hein. Parce que... Ah, quoique, attends. Il crit là, non? Bon, je dois faire ça, les gars. J'ai peur pour Mirigwan. Je sais pas combien il prend... Je sais pas combien il prend. Par prudence. Bah, j'ai utilisé 5 ici pour rien, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc Same Day, il est fun à jouer. Ouais, après, bon, c'est... moi, les unités comme ça, il me fait penser à couleur pluie, tu vois. Les unités comme ça, elles sont un peu reloues, en fait. Dans le sens où, des fois, quand elles SP pas, c'est énervant. Tu vois. Chiant. Le fait de pas SP, tu vois, partir en auto, partir en auto, partir en auto, c'est insupportable. Ah, c'est que 900k l'aspect. Non mais j'ai fait pour rien en fait. Faut rester devant Mirigwan finalement. Ouais, je vais le laisser devant. Eh hey, c'est 300k l'auto. Bon, hey. Pas 900k l'aspect, bah si. J'ai vu, là, je me suis pris 900k. Là, c'est les valeurs brutes. Ce qu'on se prend là, quand tu te prends une spé comme ça en mode géant, c'est la valeur brute de la spé. Et sauf si j'ai mal vu, j'ai vu 900k. Il y a l'avantage type. Ah. Ah. C'est vrai. Mais c'est pas 2 millions, je veux dire.
Ah si, c'est 2 millions. Je vais te vérifier, c'est 2 millions. Autant pour moi. Ouais, Mirigone serait mort en fait. Hein. C'est lui qui a pris la spawn, serait mort, je crois. On va faire tous les LRB, ça veut dire qu'il prend 0 partout, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Eh mais du coup, attendez, et là maintenant, question le chat. Est-ce que là, on a annulé l'aspect? Est-ce que là, on a annulé l'aspect? Il y a plein d'attaques devant, c'est cool ça. Non, il peut y avoir une spé, on est d'accord. Ok. Attends, Mirigone, il faut pas prendre des keys? Je sais plus, il y a pas une histoire, il faut prendre 7 keys? Ou 5 keys, je sais plus. Je crois qu'il faut prendre des keys avec Mirigone, non? J'ai déjà oublié. Oh, de toute façon, on s'en fout. Ça va aller. Le plateau est plutôt favorable. Allez, fais monter les valeurs, frérot. Fais monter les valeurs. Continue de le cogner. Combien l'aspect là, 2,5 millions? Attends. Quoi? L'aspect c'est 2,5 millions? Il prend 0. Ah oui, putain, on avait dit 8 millions, Steph. C'est 8 millions, il prend les dégâts, 8 millions. Aïe aïe aïe, carabutant. Bah faut farmer mec, hein. Continue frérot, continue. On est ensemble, t'as encore le temps là. Encore le temps. 27 millions de dieux. 27 millions. Là il va y avoir une spé garantie en plus là. 27 millions crit en plus garantie. Non mais c'est vrai qu'il y a ça en plus, crit garantie. Oh là 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 là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais tu vois, le fait de dire que Gohan puisse tanker 10 millions, tu peux pas croire qu'en P3 t'es pas d'SP à 10 millions. Pour le challenger un peu, c'est pas possible. Il va forcément y avoir ça. Les events durs arrivent en P3. Ça n'a plus d'autre, je vous suis saturé. Il a failli au bout de 4 cycles. Courage. Bon bah c'est 3 cycles. Bon, là on a pas mal, d'items là. Let's go. Ça descend bien là. Pas mal. Bon, toi tu vas transfo. Là j'ai peur pour Gogeta par contre. Parce que là il n'y a plus de taunt, il n'y a plus rien. Gogeta. Bon, on va faire ça. Attends. On va faire ça. On va faire ça. Gogeta, il survit à cette fumée? Je suis pas sûr. Va falloir que Gohan Beast y tue. Hein. Enfin, je pensais que j'allais deux cannes mode. Mais je deux cannes mode pas. Ouais, mais non, en fait, là, ce que j'aurais dû faire, c'est garder le target jusqu'à la fin. Et je l'ai utilisé avant. C'est là le danger. Je l'ai fait à Adam sur la chaîne, je peux aller checker. C'est parti des dernières vidéos. Allez, triple SP, putain. Bon, gamin, frérot. Gamin, frérot. On compte sur toi. Pour faire des choses. Parce que là, en vrai, je crois que c'est la première fois qu'on va crever, non? On passe pas, là. Gogeta, là, je sais pas pourquoi, mais je sens que l'esquive... On peut... Attends, est-ce qu'il bloque l'esquive, déjà? Non, il bloque pas l'esquive. Bon. Eh ben, frérot... Juste fais pas le con. Il est censé pouvoir esquiver, Gogeta. D'accord? Il est censé pouvoir esquiver. Est censé pouvoir esquiver. Pfff.
J'avoue que j'ai serré les fesses. Je l'ai vu pas esquiver l'auto. Je fais attends, esquive bloqué ou pas bloqué? Mais c'est bon. Mais j'avoue, j'ai serré les fesses. Bon. Eh ben, la partie est finie, je crois. La partie est terminée, je pense. Est-ce que je mets Broly devant? Broly va avoir le... Attends. Broly va avoir... Il a la réduction, là. Tu me diras, Gohan a tout, lui. Non, on va rester sur l'idée de base. Fais attention à ton front. Bah en fait, ouais, mais s'il me spé devant 2,5 millions, il survit Broly, je pense. Enfin, je sais pas s'il survit Broly là. Hein. Même avec le terrain. Il y a le 2K de mode, ouais, mais s'il me spé là. Est-ce que Broly il survit une spé à 2,5 millions? Pas sûr. Gohan, ouais, Gohan, je me dis, bon, Gohan, c'est, ça peut le faire. Bon, après, au pire, c'est quoi? Je vais essayer de me régénérer un peu. Piccolo et ses 500k défense là. Je vais faire ça. Attends. Je vais mettre Gohan. Prends les bleus. Putain, fait chier. Prends les bleus. Prends les verts. Non, on se régène. C'est pas Gohan. C'est pas. Ok, bon, on est bon. On est bon. Attends, j'essaie de le faire à la souris. Ah! Putain, j'étais presque. T'as contracté les muscles des fesses pour esquiver, oui. Bon, on serait mort en fait, je pense, non? On serait mort. Gogeta n'est pas esquivé. Mais du coup, point faible Gogeta, enfin, tu te rends compte? Point faible Gogeta. Bon les gars, ça a été sympa. Que je vous propose maintenant, c'était une run sympa. Là, j'avoue, j'ai un peu plus flippé à cause de Gogeta, mais sinon ça a été sympa.